l'urbex n'est pas un jeu, mais une pratique avec des risques. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. D'abord, je vois. En fait, on va visiter. On va visiter grotte. La grotte, grosse grotte. Grosse grotte, bizarre. Je comprends pas. Je suis rentré dedans. Je comprends pas. Ok, bonjour, c'est Alexis. Et Enes. Bienvenue sur la chaîne Urbex Brothers. Aujourd'hui, on va vous faire une petite visite d'un souterrain tunnel abandonné. Et ça peut être cool, hein. On était déjà faire un repérage. Et maintenant, on est encore mieux équipé. Beaucoup mieux. Allez, on se retrouve sur les lieux. On reconnaît les babous, on reconnaît les bâtards qui parlent que par intérêt. On paraît tout penser de drame, apprends que ma fée il est tout terrain. Qui veut la bagarre, on vit ta tenue mon gars pour ce combat. On chipole pas. Ok, donc on est arrivé devant le lieu. C'est bien sombre dedans, donc on s'est bien équipé. On a pris des nouvelles lampes. Vas-y, montre ta machine de guerre, ta lampe. Ça change, hein. Non. Waouh, 10 fois mieux. On n'était pas allé là. Quand je veux regarder, moi je fais comme ça. C'est pour montrer loin. Ouais, ouais. Et quand on veut regarder un objet, je fais clair. Ah ouais, ouais, ça c'est cool ça. Moustiques, on va se faire bouffer. Ça c'est une vieille voiture. On va tout droit. Fais attention quand même. Vraiment des vieilles galeries, hein. On sait pas trop ça servait à quoi. T'as pas peur quand t'es genre tu regardes les trucs comme ça? Tu mets la première carte, t'as pas peur qu'une personne couche par terre. Il y a écrit quoi là? Laissez la trace d'un passage éphémère. T'as assez stylé là, hein? Par contre là je me sens dans un camp militaire. Exact. Rauschen verboten. On faisait pas les champignons ici en fait, je crois. La lumière. Ah, c'est toi. Fais gaffe, tu marches toujours. T'as vu, les lumières elles se complètent bien. Des très vieux souterrains ça. Oui, ça c'est la porte, tu sais. Oui, il y a le point. Ah non. Non.
C'est même pas la porte où il y a le bois dessus. Faut pas qu'on se perde par contre. Putain, la construction. Vraiment des très anciennes constructions. On se demande vraiment à quoi pouvait servir cet endroit. Ouais. Vas-y, on continue le chemin. Des petites portes comme ça à chaque endroit. Ouais, ça devait être comme ça, comme on dit. Genre de vestiaire, on peut peut-être penser que là il y avait la douche quelque part par là, peut-être. On sait pas. Hein. C'est la porte là où elle est ouverte. Pardon, c'est la mienne. C'est comme ça. Ouais. Et t'as la tienne. Et la tienne, c'est la mienne. Faut pas le voir. Ouais, c'est cool. Sortie. Ça m'étonnerait que ce soit sorti. C'était ouvert tout doucement. Elle n'est pas fermée. C'est peut-être la sortie d'un autre côté, tu sais. C'est vraiment quand même perturbant, on peut se demander vraiment ce qu'il y avait. Tous les petits bâtiments là. C'est bien flippant. C'est immense. Hein. Pour le moment, c'est à peu près. Tous les tunnels sont similaires. C'est chaque fois des petites voies. Terrain qui mène à droite à gauche avec des portes. Pense à des vestiaires. Il y a quoi là? Il y a quelque chose? Il y a quelque chose au fond? Et c'est vraiment en fait. C'est vraiment dans le noir complet. Hein. Là, on a les lumières qui éclairent bien, mais sinon, c'est noir complet. Vas-y. Et là, c'est le sol tout mou. On a l'impression de s'avancer. On dirait des squelettes. Hein. Des ossements. Oui, des marottes. Attends, tu entends les oiseaux là?
Eh mais, je te jure qu'on dirait... Regarde la petite barre en métal qui tient le plafond. Ah, elle est là, donc la porte qu'on a vue. Donc là, on peut penser que c'était sûrement un élevage de, je sais pas quoi, cochon, ou plutôt autre chose. Alors ça sert à mettre le foin, là, la nourriture. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ces souterrains, dont on ne saura jamais la vérité. Là, normalement, il y a une petite table. Cette porte comme ça ouverte, elle n'inspire pas confiance non plus. Putain, tu refermes la porte. Hum? Tu as refermé la porte. Ah, on l'a pas fermé. Attends, maintenant, on va voir ce qu'il y a au-dessus de la porte. Vieux tracteur. Il reste pas grand chose de celui-là. On l'avait vu dans la bande-annonce, si vous vous rappelez. On le voyait pas super. Je reviens juste vite fait là. Ah là, c'est les tonneaux, tu te rappelles? Les gros tonneaux. Ouais. Ah, mais là, c'est le. Attends, je vais juste tirer maintenant vite fait la pompe. Et en fait, ça ramène à une usine. Enfin, une sorte de grande usine. Ou garage, comme vous voulez. Très ancien. Où on peut voir qu'il venait, c'est encore en franc, prendre l'essence, certainement les gros camions. Les serres d'abandon, la nature a pris le dessus. Petite remorque peut se transporter sûrement des animaux dedans, quelque chose du style bien glauque. Voilà. Et en fait, depuis avant, on dit qu'on doit aller tout droit dès l'entrée, et à chaque fois, on s'éparpille dans les petits chemins. Tout ce que vous avez vu, c'était que le côté droit. Et jamais aller tout au fond. Wow. Putain. C'est pas une BS, quoi.
passe un vieux truc. On va prendre ça. T'as l'air bien pourri. Hein. Regarde le tableau de bord. Voilà la partie escalade. C'est le dernier chemin qu'on n'a pas fait. Doucement. Les explorateurs fous. Voilà, c'est la fin de cet urbex. On a visité entièrement ce lieu. Oh putain, ma tête. Voilà, voilà, voilà. On se retrouve très bientôt pour un nouvel urbex. J'espère que ça vous a plu. Ciao, ciao, ciao. Avant de quitter la vidéo, n'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant juste ici et que tu peux aussi liker la vidéo, ça prend juste 2 secondes, mais ça nous encourage à continuer.